Je remercie les élus d'être aussi nombreux pour participer à l'inauguration de la fête foraine dans le cadre de la fête de la Mirabelle. La fête de la Mirabelle est en format réduit cette année pour les raisons que vous savez. Nous avons tenu à tout prix à la maintenir parce que c'est une tradition à laquelle nous sommes très attachés et nous voulons absolument la perpétuer. Nous avons prolongé le règne de la reine un an de plus et nous faisons la fête au maximum que permettent les contraintes sanitaires. Ça nous amènera d'ailleurs à annuler et à organiser autrement les prestations musicales, à annuler le grand concert, mais nous tenions à la fête. Et dans cette fête, la fête foraine est une fête particulière. Et d'ailleurs, la fête foraine, d'une façon générale, qu'il s'agisse de celle qui a lieu dans lequel la fête de la Mirabelle, ou de la poire de Pitié, ou des autres occasions. Nous tenons énormément au maintien de la tradition de la fête foraine. Et nous voulons que les forains se sentent à l'aise. Nous savons qu'il y a une année difficile. Vous avez traversé, notamment comme professionnel de la culture et bien d'autres professions. Mais de façon générale, et pour la durée du mandat et au-delà, souhaitons que les forains se sentent chez eux à mettre parce que les médecins l'attendent. Voilà. Ça fait partie de la fête populaire, de la tradition populaire, c'est attendu. D'ailleurs, ils ont été très heureux de vous retrouver après cette période de confinement. Le succès a été rendez-vous dans les villes où vous êtes allés. Ça montre bien que ce n'est pas un mode de fête qui est désuet, qui est ringard. Au contraire, ça correspond toujours à l'envie des habitants et en particulier des plus jeunes. On vous remercie de tenir le coup. Hein, on est là à vous encourager. Eh bien, nous avons pas tout le contrôle de l'adjoint qui est en charge des foires et des marchés. Et on fera toujours au mieux pour que, avec les services techniques, avec l'adjoint en charge de la sécurité et de la réglementation de la police municipale, avec le site que je salue, nous puissions toujours organiser la fête à Metz dans les meilleures conditions de sécurité. La sécurité, c'est la sécurité sanitaire, c'est la sécurité physique, c'est que notre fête, c'est aussi la sécurité du tout. Eh bien, la fête doit avoir lieu toujours dans une ambiance bon enfant et les médecins et tout l'extérieur doivent venir faire la fête à Metz en toute tranquillité d'esprit et en toute sécurité. C'est ce que nous réussirons ensemble. Donc c'est la première fois que la délégation spécialisée de maire de Metz inaugurait une fête foraine. Je vous le dis, Madame Mali, et à vous de le dire à tous vos collègues. Hein, vous êtes les bienvenus, vous serez toujours les bienvenus. Et on prend en sorte avec toute l'équipe et les partenaires que vous soyez toujours les mieux accueillis et que vous puissiez et bien organiser des moments de bonheur pour la population. Mais, tout ensemble. Vive les forains et vive la fête de la Mirabelle. Et ben voilà. Nous, on vous remercie au nom de tous mes collègues vivement de nous accueillir. On a toujours été très bien accueillis à Metz. Bon, moi, personnellement, Metz, c'est ma ville, et ma ville natale, et ma ville. Je suis foraine, mais aussi médecine. Metz, c'est une très belle ville. On a mis faire la fête, nous particulièrement. Les forains vous remercient, et on va continuer, parce que la fête, c'est la vie. Voilà. Et on vous remercie beaucoup.
fait un petit tour de foire. Ouais. Voilà, on va vous présenter un peu tout le monde et puis voilà. Un petit tour de manège, bah, c'est une fête enfantine ici. Hein. C'est un manège pour les petits enfants et puis le conseil municipal des enfants n'est pas là cette année. Voilà, là c'est tous des grands enfants. Hein. Voilà. On a juste des nougats, hein. C'est ce qu'on a pour les grands enfants. Hein. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Allez, voilà. Parfait. Je l'ai eu comme ça.